wagon tête du métro se trouvent Moineau et Bernadette. Moineau conduit le métro. Bernadette nomme les stations dans un micro. Station Champ de Pluton. Est-ce que tu te rappelles comment c'était avant? C'était... Il y avait des édifices qui poussaient comme des champignons. Puis par la suite, il y avait la fumée, les usines. Puis à la fin, je crois qu'il y a eu une météorite qui est tombée sur l'île. Puis nous, on s'est réfugiés dans le métro. Non, t'es déjà là. Parce qu'on était en train de travailler. Fait qu'on est resté pogné dans le métro, puis on pouvait plus sortir. Puis en même temps, mais ça nous protégeait de l'extérieur. C'est ça? T'as tout compris. Imagine qu'il existe une femme qui s'appelle Marcel. Dehors? Oui. Imagine l'île. Imagine le monde en dehors du métro. Un autre monde que celui qu'on connaît? C'est ça. Sauf que ce monde-là, c'est notre histoire à nous. Notre invention. L'histoire d'une femme qui s'appelle Marcel. T'as jamais rêvé de quelque chose d'impossible, toi? S'il y avait de l'eau dans le métro, là, je deviendrais une grosse, grosse baleine. Toi, tu deviendrais une grosse baleine. Non, non, mais je trouve ça cool, les baleines. Tu sais, c'est vraiment imposant, mais en même temps, c'est vraiment gracieux, tu sais. Puis, je veux dire, tu te passes, là, quand il y a une baleine. Ah, ouais, j'aimerais ça que tu sois une baleine. Finalement, on était tous les deux dans la solitude. On pourrait faire un élevage ensemble, si on réussit à s'en sortir. Un élevage de loutre? Comme tu veux. Pourquoi tu voudrais faire ça? Parce que moi, Marcel, c'était toi mon rêve. Quoi? J'ai toujours eu une phrase en tête, là. Deux pour être heureux. Ben, il n'y avait personne d'autre. Thank you.